Je m'appelle Nathaniel, puis quand j'ai commencé ma carrière, j'étais travailleuse sociale. Je m'appelle Christine, je suis technicienne en orthèse-prothèse et je travaille au CIS de l'Outaouais. Je m'appelle Pascal, je suis travailleur social pour le CIS de la Nodière. Je m'appelle Lucie, je suis maman de 3 adorables ados et je suis organisatrice communautaire en Montérégie-Est. Je ressens pas vraiment besoin de me catégoriser. Je trouve que ça rassure beaucoup les gens de nous mettre dans des cases, mais je me décris comme étant pansexuelle. Je me suis sentie assez seule dans le processus de ma transition au travail. Par exemple, quand j'ai avisé les ressources humaines de mon nouveau prénom, on m'a obligée de maintenir mon prénom antérieur féminin dans divers systèmes informatiques et même sur ma carte d'identité, jusqu'à temps que je fasse mon changement au niveau de l'état civil. Puis pour moi, ça a été un délai de 5 mois. Comme vous pouvez l'imaginer, se faire nommer au féminin, au quotidien, à chaque jour, quand c'est plus là-dedans que je vivais, quand j'étais déjà en avant de ma transition physique, ça fait pour des journées assez longues et des journées de travail assez démoralisantes. Si l'employeur aurait été un petit peu plus compréhensif puis aurait fait ce geste assez simple au niveau de mon prénom, ça m'aurait évité plusieurs mois de détresse. Il y a quelques années, j'avais organisé une formation avec des collègues sur la diversité sexuelle et pluralité de genre. Il y a des gestionnaires qui ont refusé de transmettre l'information à leurs intervenants sous prétexte qu'on n'en a pas de ça, nous autres. Je me suis sentie vraiment invisibilisée par mon employeur, puis ça démontre, en fait, que c'est nécessaire s'ils ne le reconnaissent pas. Pour moi, une formation de ce genre-là, ça devrait être obligatoire dans le cursus, en fait, de tous les gestionnaires, puis même, idéalement, de tout le monde dans le réseau. En milieu de travail, personnellement, j'ai tendance à dire que je suis choyée. Je suis toujours arrivée dans mes milieux de travail en me présentant telle que je suis. Ça s'est toujours bien passé, mais je pense en fait que ça devrait toujours être comme ça. Toute personne devrait arriver telle qu'elle est dans son milieu de travail. C'est sûr que ma personnalité est ayée pour quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui s'offense facilement. J'ai toujours pris le temps de répondre aux questions autour de moi, qu'elles soient par des personnes curieuses, qu'elles soient dites de façon maladroite ou même des fois malveillante. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour faire de l'éducation autour de moi. Puis, après tout, là, la diversité, une personne hétérosexuelle est aussi différente pour moi que je suis pour elle. Si je dois me dévoiler dans mon milieu de travail, oui, mais souvent, je vais prendre les devants pour m'assurer que c'est moi qui l'annonce puis qu'il n'y a pas de confusion non plus avec mes collègues parce que, bon, il y en a toujours qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, fait que j'aime mieux me dévoiler. Puis aussi, en même temps, bien, je pense que ça fait qu'on devient porteur d'informations. Je trouve ça important de véhiculer une image positive et saine de c'est quoi être gay. Il y a un travail à faire de sensibilisation avec l'employeur aux expériences transgenres, puis ça se fait à travers la formation, le partage, l'échange d'informations, puis l'accessibilité à cette information. Mais le plus important de retenir, c'est que chaque individu transgenre va avoir un cheminement vastement différent. Puis c'est juste de rester à l'écoute et aussi de ne pas avoir peur de poser la question directement à la personne « Comment est-ce que je peux te soutenir? » Il faut se rappeler que notre employeur, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux. Selon moi, le ministère devrait vraiment être un leader de transmission, d'information, de sensibilisation. Puis, ça nous enlèverait aussi un peu cette responsabilité-là de le faire. Puis, au quotidien, ça vient lourd d'avoir cette tâche-là. Puis même que j'ai des collègues qui, eux, vivent de la détresse par rapport à ça. Mon souhait pour les milieux de travail, c'est vraiment de tendre vers une plus grande inclusion, d'abord entre collègues, mais aussi pour la clientèle. On est des intervenants, des professionnels, techniciens, techniciennes, et puis on a un lien de confiance à développer avec nos clients qui peuvent vivre au sein d'une communauté de diversité sexuelle ou de pluralité de genre. Et on a tous avantage à développer cette ouverture-là parce que l'attitude, elle change tout.